Et quand dans un pays, une majorité, ou bien dans une province, une majorité opte pour un projet de loi, ou bien pour une ligne de conduite, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Une ligne de conduite, ça veut dire qu'on décide de mettre de l'ordre quelque part. Et quand on décide de mettre de l'ordre quelque part, ça veut dire qu'on décide d'améliorer le vivre ensemble. Alors, pourquoi est-ce que moi, en tant qu'animisme, en tant que non-musulman, admettons, j'accepterais que mon enfant soit enseigné par une personne qui porte du voile? Mais ça, c'est des questions simples. Parce que moi, je ne suis pas musulman. Et je ne suis pas obligé d'accepter ce fait-là. Je n'ai rien à voir contre les religions. Mais c'est juste un exemple simple. Pourquoi est-ce que moi, je suis obligé d'accepter ce fait-là? Alors, s'il y a une personne qui dit non, c'est mieux d'avoir la neutralité, mais je serai le premier à sauter au plafond et dire waouh, je suis content. Parce que moi aussi, j'ai envie de préserver la connaissance de mes ancêtres. J'ai envie de propager la connaissance de mes ancêtres de ma génération à génération, dans ma descendance. Je ne parle pas de généraliser, ma culture dans toute la province de Québec, ça ne m'intéresse pas ça. Mais ma vie et la vie de mes enfants, de ma descendance, c'est important qu'ils sachent qui je suis. Ma culture doit être transmise de descendance en descendance. C'est tout. Alors pourquoi est-ce que moi j'accepterais qu'une autre culture rentre dans mes enfants? Ça, c'est des questions simples. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Vous-même, vous dites que nous sommes multiculturels. Vous-même, vous dites que Montréal est multiculturel. Mais le côté multiculturel de Montréal, ce n'est pas juste ceux qui ont quelque chose sur la tête. Il y a aussi du monde qui ne sont pas impliqués dans toutes ces choses-là et puis qui sont là et qui font partie aussi du multiculturel de Montréal. Ceux-là, on ne s'en occupe pas. Ce n'est pas des humains, ça. Ça, c'est la masse. Les élus qui s'élèvent, là, ils s'élèvent pour qui exactement? Ils s'élèvent pour cette minorité-là ou bien pour la majorité immigrante? Non, mais soyons un peu sérieux. Donc, nous, là, vu qu'il y a comme un abandon même carrément des autorités, ok, de notre volonté à nous, ok, nous sommes aussi des immigrants, puis nous restons dans Montréal, et puis on entend du n'importe quoi, comme que, ouais, ça dit le projet de loi 21, les élus de Montréal sont en arrière des militants, tout ça c'est du n'importe quoi. Alors, donc, c'est pas en arrière de nous autres qui sont. Ils savent exactement en arrière de qui sont. Non, nous, on a décidé d'organiser aussi des marches. On a décidé d'organiser des marches pour montrer notre accord. Okay, pour montrer que nous sommes favorables à cette loi-là. On a décidé d'organiser des marches dans Montréal. Et nous faisons appel à tous les Québécois, dans tous les quatre coins du Québec. Et nous faisons aussi appel à tous les immigrants qui sont en amour avec cette patrie et qui ont compris la valeur de la province du Québec et qui ont développé l'amour pour cette province-là. Nous vous donnons rendez-vous. Nous vous décidons de vous joindre à nous pour qu'on puisse montrer à ceux qui sont en face là qu'un état de droit, c'est une question de loi. Et la démocratie, c'est une question de majorité. Alors, si aujourd'hui nous permettons à la minorité de passer les lois comme qu'elle veut, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que c'est un désordre. Pourquoi est-ce qu'une minorité m'imposerait une manière de vivre que moi, je ne voudrais pas accepter, alors que je dis que je suis un État démocratique? Ça n'a pas de sens. Sincèrement, ramenons les choses à la place qu'il faut. Il s'agit de la loi. Il n'y a pas de guerre contre aucune religion. C'est juste une question d'ordre et de l'amélioration du vivre ensemble. Il n'y a pas de haine contre aucune personne. C'est juste une harmonisation de la vie ensemble. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Voilà, ce n'est pas compliqué à comprendre ça. Ce qui serait dommage, et même je pense que ce qui serait vraiment grave, c'est que le projet de loi 21 ait une adhésion au-dessus de 80% et puis qu'elle ne soit pas adoptée. Ça serait grave.
Parce que moi, je ne pense pas qu'il va se passer de bonnes choses au Québec si ce tableau-là se présentait. Parce que moi, je suis pour le respect des États, le respect des lois. C'est la seule chose, c'est la seule chose qui garantit une stabilité et puis une harmonie dans une société. À l'instant qu'il y a du monde qui commence ouvertement à montrer qu'ils sont pas respectueux envers les lois, encore moins envers les autorités gouvernementales, mais là, ça devient un problème. Il faut faire attention à ça. Parce que ça ne prend pas grand-chose pour mettre du désordre dans un pays. Et ça, c'est du désordre. Il faut arrêter ça au plus vite que possible. Parce que le monde doit comprendre que dans un État, c'est la loi de la majorité. J'entends dire que le Québec n'est pas un pays, mais on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout carrément de ça. Le Québec n'est pas un pays, et puis après, y a-t-il des lois dans le Québec? Si oui, alors donc là, tu les respectes. S'il n'y en a pas de loi, là, je peux pas comprendre. Même dans une ville, il y a des lois. Il y a des règlements. On parle de respect. Là, le monde invente toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons pour ne pas respecter les lois. Je suis désolé, hein, mais je pense que le bouchon a été poussé un peu trop loin. Et même la manière que nous autres immigrants de Montréal, on se sent dénigrés vis-à-vis de l'attitude des élus de Montréal, c'est vraiment insultant. On se considère comme la grosse marde, ça dit à leurs yeux. C'est quoi, nous autres, on ne vous a pas voté ou quoi? Avez-vous demandé notre avis? Qu'est-ce qu'on pensait du projet de loi 21? Vous allez vous arranger, ça dit vous allez marcher en arrière du monde. Vous êtes les élus d'une population, mais pas d'une fraction de population. On parle élus de la population. Et quand un élu agit comme ça, c'est parce que c'est un agent de la division. En tout cas, j'invite toutes les Québécois et toutes les Québécoises qui sont présentement dans des situations d'incompréhension totale de se ressaisir. Parce que cette terre-là, c'est la terre de vos ancêtres. Moi, là, si je parle là-dessus, c'est parce que c'est ce qui s'est passé dans mon pays. C'est la même cochonnerie. Et je ne suis plus capable d'accepter ça. C'est pour ça que j'invite tous les Québécois à se joindre à nous. De toute façon, on a créé un mouvement. On a créé un mouvement. Et le mouvement, vous allez le savoir bientôt. Vous le saurez bientôt, le mouvement. J'invite tous les Québécois à se joindre à nous. On vous donnera tout. Les informations pour que vous vous joignez à nous. J'invite aussi tous les immigrants qui ont de l'amour pour ce pays, qui ont de l'amour pour cette terre québécoise et qui ont compris le Québécois et qui aiment l'ordre, qui adorent la démocratie, de se joindre à nous. Nous devons prendre d'assaut Montréal pour montrer notre accord vis-à-vis du projet de loi 21. C'est un rendez-vous que je vous donne. Parce que moi, dans ma tête à moi, trop c'est trop. Il faut arrêter les choses. Il faut arrêter toutes ces cochonneries-là. On parle de loi. Voulez-vous la respecter si elle est votée à la majorité, oui ou non? Si c'est non, ben, nous allons constater, nous allons prendre des actions en conséquence. Ce n'est pas compliqué. En tout cas, c'est cette vidéo que je voulais vous faire. Pour vous annoncer que bientôt, nous allons poser aussi nous autres des actions. Et nous espérons voir ces élus-là en arrière de nous. Je n'ai pas rencontré une seule personne dans Montréal à qui j'ai parlé. J'ai demandé son avis et puis qui n'était pas consentant pour cette loi-là. Je n'ai pas vu. Ah, peut-être je n'ai vu juste une seule. Mais cette seule personne-là, quand je finis de parler avec elle, elle avait compris tout de suite. On n'attaque pas personne. On n'insulte pas personne. On ne demande pas à personne de ne pas pratiquer sa religion. Le projet de loi n'a jamais interdit aucune religion, quoi que ce soit. Le projet de loi n'a jamais empêché le multiculturalisme, je ne sais pas quoi, là, ça a dû fonctionner dans Montréal, ou bien là, même à Grande dans le Québec. Le projet de loi demande simplement une neutralité des plateformes communes d'autorité. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal?
Qu'est-ce qui est plus logique que qu'est-ce qui est plus logique que ce projet de loi présentement? C'est très logique ce projet de loi-là. En tout cas, moi j'invite tout le monde à se ressaisir. Parce qu'à chaque action qui sera posée, nous aussi nous allons poser des actions en conséquence. Parce que je pense que si la majorité est pour le projet de loi, il faut que cette majorité-là s'exprime. Et nous, qui faisons partie de cette majorité-là, avons décidé de nous exprimer. Et ça s'en vient. Je vous remercie.